Salut les viewers, c'est Marcus Boris et bienvenue dans la playlist de l'épisode de Robocraft en base 5 build mode. Donc chers amis, on va essayer de construire un véhicule donc toujours, enfin, en tout cas un robot de type sniper. Pour ce faire, moi j'aimerais quand même l'équiper de manière assez particulière. Je veux toujours garder une espèce de système, on va dire entre guillemets, de mouvement rapide. Ça me plairait beaucoup. Hop. Donc on va essayer des choses, hein. On va essayer beaucoup de choses, chers amis. Comme vous l'entendez peut-être, moi je suis encore un petit peu malade, hein. Ça m'arrive tout le temps, hein. De toute façon tout le monde me refile la grippe en ce moment, c'est génial. Bref. Hop. Ok, c'est bon, je l'ai. Voilà. Comme d'habitude, on va essayer de réduire au maximum. Ce petit effet pour se faire, hein, peut-être passer comme ça, mais il faudrait que je trouve vraiment le bon. Hop, parfait. Hop, voilà, crac. Là, je pense que ça va pas le faire par contre. Quoi? Ouf. Des fois, je me pose de ces questions. Bah oui, pourquoi est-ce que ça le ferait pas de ce côté-là, effectivement? Ce serait très étrange. Alors, de ce côté-là, c'est fait. Sachant qu'on va sans doute... Hop, hop. Placer de vrais cubes ici. Hop. Et de vrais cubes ici. Entre guillemets, de vrais cubes, Mira, c'est des cubes complets, on va plutôt dire. Ok. Alors, ensuite. De toute façon, on va y aller test par test, chers amis. Hein. Mouvement. Bon à savoir, j'aurais très bien pu... d'accord. Hop. Ok. Alors, vous allez me dire, fais attention, c'est du... T'es en 1 cube par 1 cube, effectivement, oui, c'est le cas. Hop. Hop. On verra bien le moment venu, de toute façon, si ça change quelque chose ou pas. Maintenant, j'aimerais déjà faire un test pour voir si, oui ou non... Je peux, entre guillemets, planer avec la méga... Le méga over. Excusez-moi, je suis en train de regarder un truc sur l'autre PC. Est-ce que je peux planer? Ça marche? Ouais. Difficilement. Si, c'est bon. Ok, c'est le bordel. Wouhou! Eh, c'est la classe quand même! C'est le bordel, donc. Mais c'est comme ça qu'on va faire. On va chercher, chers amis, un petit peu, hein. Ok. Hop. Et donc justement, au sujet de ce bordel, je me demandais... Mais je ne vais pas les avoir à tous les coups parce que j'ai mon Mr. Andy qui me les pique. J'imagine que c'est ça. Donc le Mr. Andy, de toute façon, ça fait plusieurs fois que j'avais déjà envie de le détruire. C'est pas le genre de véhicule que je veux faire. Donc on va le détruire. Mr. Andy, au revoir. Hop. C'est pas grave, ne vous inquiétez pas, chers amis, on viendra dessus. Alors. Hop. Hop. Voilà. Ok. Est-ce que là, on est plus stable? Normalement, oui. Normalement, on est beaucoup plus stable. Alors, le test, hein. Bien plus stable. Ah. Ok, c'est bon à savoir. Parfait. Donc, de ce côté-là, on est bon. J'ai obtenu le résultat que je voulais.
Hop. Hop. Maintenant, progressons. Alors, soit je le fais comme ça. J'ai qu'un cube à l'intérieur, oui, forcément. Question, est-ce que je peux avoir un cube, par exemple, si je le mets là? Ah ah! Bien sûr! Regardez, il y a forcément quelque chose là qui m'en empêche. Ah merde, j'ai pété le mauvais truc. Ok, c'est pas grave. Le TX, il est où? Hop. Voilà. Crac. Ok. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Hop, on reprend les bons cubes, histoire de... Crac. Crac. De faire ça bien, comme on dit. Hop. Hop. Oui, effectivement, c'est stupide ce que je suis en train de faire là. C'est plutôt avec ce cube-là. Ok. Mouvement. Donc là, nous ne sommes pas en mesure de mettre les tout gros. Par contre, on devrait être en mesure de mettre les petits. Voilà. C'est parfait. Ah, parfait. Tout est relatif, hein, mais... Hop. Alors. Gars. Voilà, merci. Ok. Voilà. Ici, ce sera donc... Hop. Très très moche, oui, ce sera donc très très moche. Il a fallu que je mette 4 partout, c'est ça, mais je peux pas mettre 4 partout, donc c'est pas possible. Donc faire un truc joli ici, ce sera pas possible. Gars, moi qui aime bien faire des trucs jolis. Non. Ok. On va refaire pareil devant, c'est pas grave. Hop, s'il te plaît. Je te demande quelque chose, veux-tu bien le faire? Merci. Hop. On va y aller comme ça, hein. Ok. Eh bah si, là, ça pourrait peut-être le faire. C'est juste moi qui avais chié dans la colle. Hop. Oula, non. Plutôt comme ça. Ok. Je crois que c'est ça à peu près, hein, le schéma. Oula, je reçois des messages, l'autre chose. Comme dirait l'autre. Ici. Non, non, ça c'est pas bon. Ça c'est ça. Là, ça sera ça. Oui, mais dans le bon sens, s'il te plaît. Je me te fous pas de ma gueule. Hop, voilà. Crac. Ok. Alors. Alors.
la demande, général. Hop. Hop. Pourquoi je peux pas placer plus haut? Ah bon? Apparemment, ça c'est pas possible. Bizarre. Très bizarre. Très 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 bizarre. Bon, on va faire le test quand même. De toute façon, non, même pas, parce que là, normalement, techniquement, je suis censé mettre autre chose. Hop. Pourquoi n'en ai-je pas le droit? C'est quoi ce bordel? Ok, mais vive les bugs, vive les bugs, vive les bugs d'hiver. C'est génial, il y en a qui ont le droit, mais surtout pas moi. Hey! Pourquoi pas? Donc c'est génial, hein, dès que je veux faire un truc qui ne me plaît pas, mais qui est censé être fonctionnel, eh ben même le jeu me dit non, t'as pas le droit, Marcus. Waha, c'est trop beau! Qu'est-ce que vous en pensez, chers amis? Vous trouvez pas que c'est sexy? Hop! C'est bien ce qui me semblait. Hop. Oups, c'est pas ce qui était prévu. Hop. Hop. Voilà. Et normalement, je pensais pouvoir faire la même chose que l'autre côté, à l'avant. Par contre, faut que je prenne les bons cubes. Enfin, les bons... Hop. Sauf qu'à l'avant, bien sûr, ce seront des petits. Histoire qu'aucun de ces trucs ne gâche la fête aux autres. Mince, je suis stupide. Ah, il est loin. Hop, c'est bon. N'empêche qu'avec les petits, j'ai réussi à atteindre la même... Oh putain. Donc sans les petits, directement, comme ça on va pas s'embêter. Eh mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Eh ben vous savez quoi, on va faire autrement. J'aurais peut-être dû prendre deux grands, mais c'est pas grave, hop. Ça passe pas, dommage. J'y ai cru l'espace d'un instant. Parce que là, je pense que ça va pas passer non plus. Oh, ça passe. Et là, en niveau longueur... Ouais, ça va être short, hein. Ouais, c'est ça. Ah, le jeu qui se fout de ma gueule. Le jeu qui se fout de ma gueule. Et ça passe pas de l'autre côté, fais chier. Allez comprendre. Ah bah non, là non plus. Là non plus. Bla. C'est autre chose. Hop, si je fais ça, j'en rajoute un. Dès que je fais ça, non, là ça passera pas. Là ça passe ou pas? Non, parce qu'ils sont trop proches l'un de l'autre. Hop. Non plus.
Bon, hérésie. Hop. What? Même ça, tu veux pas? Putain. Gars, je vais péter une durite. Ça, il veut bien. Et là, il veut plus. Oh, il veut. Putain. Là, il veut bien. What? Il veut bien. Si c'est pas génial. Ok, parfait. Alors, maintenant, il faut le protéger, le machin, parce que... Putain. Ok. Ça touche pratiquement rien, ça pourrait le faire. Pourquoi j'ai l'impression que plus j'en rajoute, plus ça fait bloquer des choses. Enfin, plus j'enlève, plus ça fait bloquer des choses. Mais voilà, c'est ça en fait. Ça faisait rouge sur les machins tout à l'heure. J'ai pas fait gaffe. C'est pour ça que ça m'étonne de... Et si je faisais ça plutôt, simplement. Hop. Des fois. Ça suffit. Mais là, ça ne suffira pas. Quoique. Hop, voire même. Ok. Ok. Limite, même si je peux mettre un... Ah, oh, j'y aurais tellement cru. Ça aurait été tellement parfait. Tellement parfait, chers amis. Oh là là, quel dommage. Oh. Et ben voilà. Que demande le peuple? Voilà. Si ça, c'est pas parfait. Ok. Alors, autre chose. J'ai bien vu, chers amis, ne vous inquiétez pas. Ils veulent pas, en fait. Ah d'accord, parce qu'il y a les grosses plaques au milieu. C'est vraiment dommage. Ça a presque été parfait. Tant pis. Voilà, ça, ça passe. Ok. Oui, c'est du bourrinage, hein, chers amis. Je précise quand même, hein, mais... Oui, oui, sur le principe, oui, c'est du bourrinage. Bourrinage de protection. Ah oui, j'ai plus de cubes comme ça, forcément. Ça prendra. Hop. Voilà. Et normalement... Ah, ça passe pas. Dommage. Ça aurait été presque parfait. Non, ça passera pas. Ça passera pas non plus. Tant pis. Bon, là, normalement, il est assez blindé. Il devrait être assez efficace. Il devrait être assez efficace. Bah écoutez, chers amis, ce qu'on va faire, c'est que moi, vous voyez, normalement, je suis censé être... ne plus être devant le PC, en fait, à cette heure-là. Je devrais même être parti sur la route. Bref, on va se faire une petite game. En team deathmatch, vu qu'il est assez blindé, je vais en profiter. Et on verra bien ce que ça va donner. Génial, ça part pratiquement illico presto. Parfait. On verra bien. Si sniper, tous posés comme beaucoup de gens le font sur les petites barres là. Un blindage qui est à mon avis assez correct. Hein. Et la capacité de tirer au-dessus des barrières. C'est ce que vous vouliez, non?
vrai que je l'ai pas retesté, j'aurais peut-être dû le retester avant. Hop là. Et il se déplace assez vite. C'est pas la fête ça. Allez vous calmer avec les textos. Hop là. On regarde bien toujours vers le bas pour éviter que le laser parte trop loin. Oh. Effectivement, ça va être le problème de ces lasers, hein. De ces commandes, de ce sniper. Ok, ça va, j'ai connu pire en fait. Mais c'est quoi ces trucs? Ah non, je crois que c'est... En fait, on dirait des gros, mais... C'est effectivement des gros. Touché. Dommage. Ok, vas-y, remets trois comme il faut. Hop, merci. Bah alors? Je me suis retourné? Ah, je me suis retourné. Ok. Alors, est-ce qu'il est capable de se re-retourner ou pas? Non, apparemment pas. Merci de me couvrir, les mecs, ce serait sympa. Par contre, apparemment, ils vont tous se faire défoncer, donc écoutez... Bah son machin, c'est rigolo, en fait, hein. Peut-être que je devrais m'en faire un comme ça, effectivement. Par contre, je vais pas faire beaucoup de kills si ça continue. Il est stylé son machin. Qu'est-ce que c'est qui me tire dessus? Hop! Olé! Eh! Quadruple salto arrière, chers amis! Respect ou pas respect? Hop là! Ou triple salto arrière, je l'ai pas compté à vrai dire. Hein. Je dis ça quadruple au pif parce que je dis souvent quadruple. Ah oh, dommage, pas pu lui tirer dessus. Hop là. Parfait. On va essayer de les avoir par derrière, hein. Vous savez qu'on aime tous ça, chers amis. Hop. Allons-y en douceur, hein. Hop. Ah oh, bien joué. Oh pourquoi ça touche pas? Oh je suis vexé, pourquoi ça touche pas? Pourquoi ça a pas touché? Ouf. J'ai survécu à la partie, génial. J'ai pas fait des masses de kills, pas des masses de dégâts, mais j'ai survécu à la partie, Et c'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte, chers amis, c'est une victoire. Le mec qui grappille les points. C'est ça, c'est une victoire. Bon. Eh bien, écoutez, je sais que vous attendiez un robot un peu plus intéressant avec un double DCA. Malheureusement, ce sera pas pour tout de suite, vu qu'on n'a pas suffisamment de fric pour avoir la deuxième DCA. Donc, eh bien, écoutez, les amis, j'espère que ce vaisseau vous plaira. On va je pense qu'il va faire quelques parties quand même. Hein. Honnêtement... je me tâte bien à l'utiliser celui-là, parce que je le trouve pas si mal au final. On va peut-être le peindre quand même un petit peu avant. On va le peindre en... Oh, la superbe couleur, chers amis. Oh, c'est une horreur. C'est une horreur. Là, il est mignon. Mais c'est pas ce qu'on cherche. Non plus. Ah, là, c'est beau, là. Non. Non.
Non. Pourquoi je veux toujours... Attends, pourquoi ce que je fais tend toujours vers le... Ok. C'est bon. Vers le noir. Hop. Ok. Hop. Je devrais plus être là. Je précise. Je devrais déjà être parti. Ok. Ok. Hop, et hop, et hop, et hop. Ok les amis, eh bien écoutez, on va cesser là-dessus, on va le nommer un petit coup. On va le mettre... l'horreur orange et noir. Non, bah oui, du coup, non, on va l'appeler comme ça. Ah, ça passe pas. Donc, orange is the new black. Voilà. Ok, bon bah voilà les gens, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la pouce, vériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom dans votre lien dans la main de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, et moi je file vite à la voiture en courant, et je vous dis à plus pour une autre vidéo, salut les gens, et yoop.